Sur les côtes des Cornouailles, près de Newquay, une nouvelle ville dans la ville est en train de voir le jour. Et son créateur n'est autre que le prince Charles, héritier du trône d'Angleterre et grand passionné d'architecture et d'environnement. Nous avons pour objectif de créer au moins un emploi par foyer. Et nous faisons en sorte de pouvoir se passer de la voiture. Nous voulons que les gens puissent tout faire à pied. Nous utilisons des technologies modernes pour les énergies renouvelables. Afin de réduire l'impact sur l'environnement, les maisons sont construites avec des matériaux extraits des carrières environnantes, comme l'ardoise et le granit. Et petit bonus pour les habitants, il n'est pas impossible que le prince Charles s'invite à l'heure du thé. J'ai jeté un coup d'œil dehors et je me suis dit, je suis sûr que c'est le prince Charles. Il est passé devant cette fenêtre. Puis il m'a serré la main et m'a dit, depuis combien de temps vivez-vous ici? Qu'en pensez-vous? Les concepteurs de Nansleden espèrent passer de 137 à plus de 4000 foyers d'ici 40 ans. La ville devrait aussi se doter d'une école, de commerce et de restaurants. Très dépendante de la saison touristique, Newquay compte bien fidéliser cette nouvelle population à l'année. Pendant l'hiver, il y avait vraiment une baisse de notre activité. Il fallait épargner nos recettes de l'été pour l'hiver, alors que maintenant, nous sommes vraiment stables tout au long de l'année. C'est bien mieux pour moi. Seule ombre au tableau, de nombreuses maisons sont actuellement évaluées à plus de 340 000 euros. Un prix trop élevé pour les acheteurs du comté de Cornouailles, le plus pauvre d'Angleterre. Pourtant, le prince Charles souhaite que 30% des habitations de Nansleden soient des logements sociaux ou abordables. Les habitants devront donc patienter avant de voir si ce projet royal se transforme en réalité économique.